comme politiciens, nous voyons comment les réseaux sociaux agitent par rapport à Premier ministre là, qui est présent directement au Cap Haïtien. Et ils ont fixé le droit à Petite Dessalines pour qu'il soit capable de porter des revendications pour empêcher le Premier ministre là de venir au Cap ou bien pour empêcher de participer dans la célébration. Et nous-mêmes, Petite Dessalines, moi-même, Wisti Pierre, nous considérons ça comme une provocation politique. Il a provoqué nous pour nous faire bêtises. Et ce n'est pas chaque conjoncture pour que les gens campent pour dire qu'on va faire manifestation, on va bloquer la rue et on va faire agitation politique. Ville au Cap, c'est une destination touristique côté que tout le monde envie, tout le monde vient là-dedans. Moi-même, j'ai organisé un festival volleyball Jacques Joachim. Nous avons une quantité de diaspora dans ma route là qui est venu assister au festival volleyball. Ça. Nous avons une quantité de monde qui est venu au Cap, dans la fête au Cap. Et nous rendons compte que au Cap sont destination touristique. Et nous-mêmes, nous mettons un avant-garde sous pied, même si nous ne parlons pas, pour que nous créions un climat de sécurité en termes de participation par nous, pour nous capables d'empêcher vacabon envahir la ville là. Nous n'avons pas besoin de dire ça, nous n'avons pas besoin de stratégie par nous, mais nous mettons des réseaux en place pour nous empêcher ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de faire des bagailles pour nous fixer les yeux sur le département nord, les yeux sur le Cap. Ensuite, par rapport à Ariel qui a vint là, que tout le monde considère comme vaurien, il va tirer une roche galette et qui fait que toute revendication du peuple a supposé porter par drap, par des pancartes pour dire Ariel, mon cher, quitte le pouvoir, ben démission. Eh bien, ils viennent provoquer nous pour nous faire ça. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça parce que fait drapeau aux Cap-Haïtiens sont faits citoyens. Depuis petit, nous devons collège Notre-Dame, nous devons pratique du Nord, nous devons pas quitter l'école. C'est par un qui investit tant, l'argent, l'école qui investit comme tant, pour être capable de préparer petit monde, pour faire bel défilé. Et tout public au Cap, là, tout public Nord, connaît son tradition, puis on vient assister parade dans ce stade-là, ensuite dans différentes rues dans la ville au Cap. Et quand il y a année passée, c'était une belle bagaille sur le boulevard. Je pense que l'image ça y est, au Cap, ils ont l'autre envergure dans les yeux diaspora, dans les yeux tout l'autre monde dans le département. Actuellement, là, je pense que tout hôtel au Cap presque chargé, même moi la Caipam, ce n'est pas des gens qui ont dormi parce que besoin d'assister. Après ça, pour me prendre une provocation ça, pour que nous fassions manifestation, pour dire que les caoutchoucs. Non. Nous grandissons, nous apprenons, nous comprenons, nous ne prenons pas une provocation ça. C'est ça qui fait que nous recommandons à tous les parents pour capable voir Timounio défiler, venir assister traditionnellement de marche par nous, que nous recommandons tout à la police. Pour être capable de veiller actif, pour être capable de prendre des dispositions sécuritaires pour empêcher des actes vandalistes, pour ne pas gâter la belle tradition. Ça. Nous félicitons Mairie, nous félicitons toute l'école qui prend l'initiative ça, nous félicitons la presse qui vend l'image ça, qui vend au Cap, qui vend au Cap, qui fait que nous voyons que au Cap tourne vraiment une destination touristique. Encore, c'est un plaisir. Pour moi-même, pour me parler dans le micro par nous, pour me regarder nous encore et nous mettre tout le monde qui l'a encore en confiance, côté nous-mêmes, Wisti Pierre comme responsable parti politique de Saline, comme animateur et culturel, comme animateur sportif, nous dit tout le monde, mettre en confiance que nous avons passé une belle fête de drapeau au Cap-Haïtien, nous ne pas prendre en provocation.